Hello les gars dans le chat, j'arrive. Yo T-Max, comment ça va? Bienvenue, bienvenue, merci pour le like. Bienvenue à tous les gars dans le chat, bienvenue, bienvenue. Pardon. Se retrouve aujourd'hui là pour pour la série de live que je vais faire, des épisodes en live que je vais faire sur les Level Asian de Bonari. En gros, on va se laisser. Je vais essayer de faire les Level Asian de Bonari. Alors je le fais pas dans l'ordre parce que le premier est un peu plus compliqué, je trouve, que celui-là. Hier en 25 minutes j'étais déjà à la moitié, donc j'aimerais bien m'en sortir de la même manière aujourd'hui. Voilà les gars, ce sera je pense un épisode par semaine. Putain de merde. Certainement le samedi ou fin de semaine, un vendredi ou un samedi en après-midi. Voilà. Je vois rien avec cette caisse, c'est abusé. Je vais mettre en. Je vais mettre comme ça. Ok. J'ai à peu près trouvé la vue pour passer sur le bleu, sur comment ça s'appelle? Entre les barreaux après. Déjà, faut que j'arrive à passer les barreaux fin ici. Pas tout le temps une mince affaire. Ouais, non. Faut que je le passe, pas que je le passe en première personne. Je tente des trucs, hein. Voilà, taper à la fin, bordel. Sachant que les gars, à 17h, j'ai un truc à faire, donc à partir de 17h, entre 17h et 17h30, où je couperai mon live, je pense, à 17h, que j'ai fini ou que j'ai pas fini l'activité. Putain, je fais de la merde.
Putain, je le vois pas, les barreaux, je les vois pas. La vie de ma mère, ça me saoule. Je les vois pas, les barreaux. Donc ce point-là, il est easy. Il est easy check normalement. Je vais me mettre des baffes. Je vais me mettre des baffes. Je suis trop freiné parce que. Ouais, je vais rester dans la vue proche comme ça, tant pis. Pardon. J'ai vu qu'il fallait taper, j'ai pas voulu redresser parce que j'avais peur de donner un trop gros coup de joystick. Oh, vas-y, remballe, mais non, mais qu'est-ce que je branle? C'est ouf d'être nul, hein. Là, je serais capable de relancer l'activité juste pour faire un meilleur temps sur le premier point. Scheiße! C'est bon, sérieux, mais non, mais vas-y, ça me vénère. J'ai honte de ce que je propose, ça m'énerve. C'est de la merde, ce que je propose là.
Mais non. Je pense pas que je passais. Là que je vais mettre le plus de temps je pense pour où je vais avoir le plus de mal c'est les barreaux comme ça. Yo Karna, comment ça va? Attends, j'arrive. Merci du like Karna, et oui c'est fait exprès. Exprès parce qu'en gros là je vais faire une sorte de je vais faire mes lives comme ça avec ce même titre où je ferai genre un épisode par semaine. Et en gros ce sera pour faire un épisode par semaine, ce sera un level asian de Bonari. Ah bah merde, c'est con. C'est con. Encore 7 heures. Ouais, mais t'inquiète, Karna, ça va passer. Arrête, franchement, arrête de compter les heures, hein, ça sert à rien. Bon bah, putain.
putain, j'avais pas assez de vitesse. Je suis dans les temps d'hier par rapport au level là. Voilà. Ah putain, dommage, j'aurais pu enchaîner. Ah! Je le fais trop bas le demi-tour. Peut-être trop tôt, je sais pas. Je pense que je le fais trop bas et trop tôt. Je pense que là, faut que je le fasse à partir de. Cette conne. Allez. Photo. Je tricherai pas aujourd'hui. Je triche pas, je prends un raccourci. Ça fait deux fois que je ratterris de la même manière.
Oh, j'ai envie de me coller des claques. On écoute ou pas que je bégaye sur le truc le. Enfin, sur un truc simple, hein. Le truc le plus chiant ici, c'est le demi-tour là, le demi-tour qu'il y a après, et je bégaye plus sur le transfert. Bah c'est parfait ça. Oh, elle est en train de me saouler cette caisse de merde là, déraper comme une lampe. On va faire de la merde, on raccroche pas alors que. Salut à tous les amis, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur le live. Je fais de la merde parce que. Putain, j'en ai marre! J'avais un œil sur le chat comme un con. De quoi un carnet? Sais pas ce qu'il faut faire sur ce putain de. Ah si, je crois que je sais ce qu'il faut faire. Ah. Ah oui, ok. Mais pourvu. Bon, ça s'affiche, mais. Ah, ça me saoule. Je sais absolument pas ce qu'il faut que je fasse après.
Là, je peux aller trop haut, enfin, je peux aller suffisamment haut. Ça me fait vraiment chier de. Ça me ferait vraiment chier de passer la demi-heure sur ce point. Pourquoi elle a pas tourné, putain? Vous avez vu ce qui vient de se passer là? Putain, ça rembarge jusque. Elle rembarge cette caisse, c'est un truc de ouf. Alléluia. Oui, bon, ce point-là va pas être super compliqué. Juste à moi de bien atterrir. Équilibre. Oh putain, one shot. Oh ma race. Non, putain. J'aurais pu finir moins d'une demi-heure, vous imaginez ou pas? Merci mon Kratos, comment tu vas? Allez là. Elle est là l'arrivée. Ah, je te jure Kratos, hein, c'est. Je sais pas comment je suis en train de. Allez. En train limite de trembler là. Je pense que celui-là.
Ok, celui-là il peut clairement être easy check. Il peut clairement être easy check. Ouais, moi ça va mon Kratos, mais t'allais, ouais, faut que t'ailles. Franchement, on va voir le médecin. Et merde. Ouais, ça va. Là, je suis pas, là, j'ai pas été assez haut, mais sinon j'étais dedans. J'ai trouvé l'endroit où il faut que je sorte. Hop, non, faut appliquer. Ah non, putain, dommage qu'elle ait rebondi. Dommage qu'elle ait rebondi. Ah mais non, putain. Je suis sorti trop tôt. Yo, I'm on YouTube. Non, désolé. De toute façon, l'activité elle est lancée et du coup, je peux pas inviter en cours d'activité. Mais après, si je relance un truc. Qu'est-ce que tu dis, Kratos? Lundi? Ouais, t'as raison. Attends, je lis ton message juste après. Non, aussi. Putain, j'y ai cru tellement. Ouais, t'as raison, mon Kratos, t'as raison, vraiment. Fais-toi tester et mets-toi à l'abri, entre guillemets. Ta famille, etc., etc. Ah, j'ai failli passer, j'ai trop le seum. Bon, là j'exagère. Là j'exagère. Ah mais non. Oh putain, bah Kratos. Non, mais dis pas fait que j'atterrisse dedans. Arrête. Oh bon, je te déteste. Bon, je te déteste. Putain. Ah, je te hais, Bonari, je te jure que je te hais. Ouais, après bon ce soir, Kratos, on l'écoute. Putain, mais non, Bonari, tu fais chier. Je l'avais fini ton truc de brun. Et voilà, putain, maintenant je vais faire de la merde. Putain, le karma que j'ai, sérieux, j'ai pas de chat. Je la connais pas en plus la technique Franklin, sinon je l'aurais faite, mais. Franchement, Bonari, je te déteste. Ah, je te hais. Putain. Ah, tu me fous la haine, Bonari. Je te jure, tu me fous la haine. C'est pas possible.
Pourquoi t'as fait un troll comme ça? Sérieux, ça me fout les nerfs! Putain! Putain, j'allais finir au moins de 35 minutes, la vie de ma mère. Oh, je suis dégoûté, j'ai juste envie de racheter de cette putain d'activité de brin. Ça me casse les couilles. Putain. Je vais mettre plus de 45 minutes à le finir maintenant. Non mais crée-lui un truc en panto là, Kratos. Ça fait deux fois. Oh, ça me vénère, c'est bon. Putain, là aussi j'étais passé. Franchement, il abuse d'avoir mis ça. Mais ça fait deux fois! Putain, au même endroit! Y'a de quoi devenir fou avec ce jeu. Yo Weed, comment ça va? Ça me fout la haine, putain, je mets plus de 40 minutes à le finir alors que je devais le finir en moins de 35 déjà. Casse les couilles. Putain, caisse de merde là qui sautille partout, grosse pute. Ça va, oui, ça va, ça va. À part que là j'ai envie de tout casser chez moi, mais oui, c'est pas grave. Ah, je vais faire de la merde. C'est bon, c'est mort, ça me gave. C'est bon, ça me gave. Franchement, Bonari, je vais pas. T'es gentil comme mec, hein, mais clairement, je fais chier. Tu crées super bien, mais vas-y, tu casses les couilles. Putain, fou la haine, fou la haine. Merci Kratos, mais vas-y, ça me, j'ai même pas, j'ai même pas envie qu'on me dise GG là, ça me fout le seum. Ah vas-y.
What the fuck? Qu'est-ce que je mange ici? C'est laquelle que t'as gagné, Weed? J'ai envie d'envoyer mon temps à Bonari. C'est une. Ah, ok, groupe X. Ouais, je sais pas, je vais pas te mentir, je les roule pas ces bagnoles-là. Trop trop chiant à rouler. Allez, on passe au level 3. Oh, la Féfé, moi je l'aime beaucoup. Elle est un peu complète, elle est un peu, elle a des fois elle est un peu chiante à prendre en main, mais je l'aime beaucoup, genre j'aime beaucoup la rouler. J'ai invité un ragot qui n'est plus connecté. Si, il est connecté. La Féfé, ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Je trouve que en reprise en plus elle est pas mal. Et même si elle chasse un peu du cul, je trouve que malgré tout elle tient bien la route. Je sais que je kiffe, enfin c'est pas dérangeant pour moi de la jouer, tu vois. Oh, tant pis, hein, écoute. Je l'ai invité à Drago. Pourquoi il y a de la pluie? Celui-là, sachez les gars, de ce niveau-là, je n'ai jamais passé le premier point. Voilà, hein, donc en plus, ça va être dans l'autre sens. Je galère avec les barreaux fins comme ça. Le seum là. Ok, elle est pas descendue. Trop bien.
Ah si, j'ai dû passer le premier point, mais c'est tout, je sais plus. Je sais même plus. Ouh, ça me gavait un petit peu. Putain. Ah bon. Ok. Mierda. Salut à tous, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux nouveaux arrivants sur le live, les gars. Installez-vous confortablement. On fait le niveau 3 de Bonari. Le level Asian 3 de Bonari, pardon. Merde. Merci pour les 4 likes, les gars. Il n'y a aucun si. Merci du like, poto, comment ça va? Me gusta la mañana, me gustas tú. J'ai senti tellement tôt, c'est abusé ce que je viens de faire là. Bon, au moins on voit la gueule du transfert, parce que depuis tout à l'heure on voyait pas la gueule du transfert. Ça rend un peu fou de pas arriver à ce point-là quand même. Tout cas, en soi, il est pas si compliqué que ça. J'ai réussi l'autre sur le parcours d'avant. J'ai réussi sur le parcours d'avant, je vois pourquoi là j'y arrive pas, mais bon, c'est pas grave.
Comment ça, oui, de ton fond YouTube qui est passé blanc? Non, moi il est toujours noir. Désolé, là vous allez peut-être entendre mon chien parce que mon père vient de partir au ciné avec mon petit frère. D'accord. Yes! Chouchou, comment vas-tu? Chouchou, non, 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 non. Et doucement, 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 s'il te plaît. Parce que là, ça va être mes oreilles. Hop là. Non, moi c'est encore dans la même couleur que j'avais. C'est encore en mode sombre pour moi, oui. Peut-être quitte l'application et relance là. Oh, vas-y, me casse les couilles cette caisse là, par contre. Maiden, t'es chiant. J'ai pas du tout, weed. Allez, mais vas-y. Fais 0 et force, cette caisse de merde, ça me gave. Regarde pas comme ça, y'a mon chien qui me regarde parce que je suis énervé à cause de la course. Oh, ça me gave, putain. Ah bon, bah écoute, parfait. Je sais pas quoi prendre comme position pour bien jouer et pour être à l'aise là. Je sais pas, j'ai l'impression d'être bloqué depuis hier soir. Je sais pas si t'as déjà eu cette sensation-là, oui, quand tu jouais, c'est d'avoir l'impression d'être bloqué, comment dire. Tu sais, d'avoir, comment dire. D'être dans une toute petite pièce ou d'être, tu sais, dans un truc étroit où t'as pas l'impression que tu peux avoir de la place pour te mettre comme il faut. Bah là, c'est ce qui m'arrive et c'est juste chiant. Yo Ayako, comment vas-tu? Oh, c'est en train de me chauffer! Bah Yako, tu lui dis écoute, c'est une très bonne pote ou c'est une meuf que qui tu discutes comme ça? Oh vas-y frère, pourquoi elle tape là la vie de ma mère? Je vais la goumer cette caisse de merde, putain. Tu peux lui dire écoute, c'est pas méchant. Je lui dis mais en ce moment j'ai pas envie d'avoir de relations. C'est pas que je t'aime pas, mais j'ai pas envie de. J'ai pas envie plus que ça de me mettre dans une relation. Tu peux lui dire que rester ami avec elle ça te convient amplement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux juste lui dire que écoute, moi ça me dérange pas qu'on reste amis, mais je me vois pas en relation, etc. etc. Vas-y, casse ta mère la voiture là. Ok, Yako. Non mais, c'est une blague! C'est une blague cette putain de caisse! Elle tape tout sur son passage, frère! Putain, on dirait une obèse dans une boulangerie! Pff, sérieux!
Ah, vas-y, mais baise-toi! Mais baise-toi! Train de me rendre fou! Sérieusement, cette caisse de merde là! Regardez-moi ça! Tu fais la même chose et réagis pas de la même manière! Je suis sur deux fois d'affilée, elle réagit pas de la même manière! Commence à me gaver! Allonge-toi, toi, me regarde pas comme ça, tu m'énerves. Je parle à mon chien. Croyez pas, je parle tout seul. Sais même pas pourquoi j'ai lancé le level 3, putain. J'ai énervé à cause du 2 parce que c'est un point de merde à la fin et en plus comme un con je relance le 3, c'est bon. Marqué connard sur mon front. Je tourne en 1,44 au meilleur temps fait, je crois. En groupe 3. Ainsi, il est plus rapide, il tourne en 1,43 je crois. Non mais putain, mais ça me gave. Voiture. Attends. Je sais plus parce qu'en fait la dernière fois quand j'avais fait ce temps-là, c'était quand j'étais avec Quincy, donc en fait les voitures elles avaient leur perf normale, je les avais pas réglées. Putain! Oh vas-y, je me mute. En gros, le meilleur temps que j'ai fait sur Monza, c'est sur les lobbies que j'ai créés. Donc en soi, il n'y a pas forcément de paramétrage de voiture. C'est avec les voitures avec leur perf normale comme quand tu les achètes. Et je tourne avec la New Beetle dessus. Mais il y a aussi une bonne voiture qui peut tourner dessus, c'est la Corvette la plus récente. Elle a une bonne reprise, elle freine bien et tourne bien. Et elle est plutôt pas mal. Elle accélère plutôt fort et tout, et vitesse de pointe, elle dépose la New Beetle. Eh, ça se fout de ma gueule ce jeu de merde. Tourne avec quoi 8 dessus? Avec la BM, je suppose. Bah, après, si c'est en. Comment dire? En réglage, je sais, fait par les paramètres du jeu quand t'es en ligne. Mon meilleur temps, je crois, c'est une 46,5 ou une 47,5, je sais plus. Oh vas-y, elle va me vénère cette caisse de merde. Ouais, Yako. Ok, oui. Putain, 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 putain de merde.
Bon, Yako, elle a répondu quelque chose ou pas? Non mais regardez-moi ce déchet sur route. Ce déchet sur quatre roues, cette caisse. Putain. Ok. Ah, vas-y, elle me vénère, ce gars de merde. T'abuses. Ah, vas-y, c'est bon, je passerai pas ce point, j'ai jamais passé ce point-là. Bah, écoute, Ayako, tu verras. Après, tu sais, c'est pas parce que... comment dire? Faut pas que de toi, genre, tu t'éloignes d'elle et tout, tu vois. Genre, si c'est une très bonne pote et que tu veux pas sortir avec elle, mais que du coup, malgré tout, tu restes, comment dire, tu dis que vous restez mon pote, faut entretenir ce lien, tu vois. Alors, bien sûr, faut faire attention à pas lui faire espérer dans ton comportement des trucs comme ça et tout. Ah, oh, vas-y, mais baise ta race, là, avec ça. Mais t'as amélioré comment? T'as amélioré avec la roue où t'as le 1, 2, 3 de couleurs différentes là, weed, ou t'as fait autre chose? Et t'as vu ou pas que dans Gran Turismo 7, weed, ils vont remettre les personnalisations de voitures quand tu feras les courses en ligne et tout, des trucs comme ça? Ou sais, tu pourras remettre un aileron, des trucs comme ça et tout, comme il y avait sur Gran Turismo 4. Putain, je parle du coup, je suis pas concentré. Eh, 20 minutes, 25 minutes, je vais passer 25 minutes sur le premier point, quoi. Il y en a 22. Hein. C'est bon pour vous ou pas? Bonari, je te hais dans tes créations. Vraiment. T'es pas obligé de commencer par un truc fin comme ça. Alors t'aurais pu le mettre à la limite sur le retour après le transfert, tu vois. Et surtout en plus pour enchaîner derrière un truc fin. Vraiment, pour le coup, ça t'étais pas obligé, tu vois. Je m'attendais pas à ce qu'elle reprenne. Ah, c'est moi qui vais faire exclusivement de la merde, hein, clairement. J'aime pas. Là, j'ai même pas envie de le finir en fait. Clairement, ça me gave. Ce genre de truc là. Enfin, dès le début, clairement, ça me casse la tête en fait. Les gars, quand ils créent des Asians, ils font rien qui est progressif, c'est toujours des... c'est juste, en fait, c'est juste casse-couille, en fait. C'est-à-dire que tu lances le truc, tout de suite, tu tombes sur un truc qui va te casser les couilles, plutôt que de faire, tu sais, un truc qui passe, et après aller au plus dur. Vraiment, c'est pas logique, et ça me casse les reins, clairement. C'est aussi pour ça que j'avais arrêté de faire des Asians pendant un petit moment, parce que juste, clairement, c'est bon.
Clairement, ça me gave. Ah bah franchement, je viens pas. Hein. Clairement, refais pas d'Asie, ne refais pas de course. Hein. Le jeu bug de plus en plus, c'est juste horrible. Les voitures sont de plus en plus merdiques. Ils font des mises à jour sur la voiture, tu sais pas pourquoi ils les font. Ils ont fait une mise à jour sur le buggy ramp, sur le fantôme. Je suis quasi sûr qu'ils ont fait une putain de ta grand-mère. Je suis quasi sûr qu'ils ont fait une mise à jour aussi sur la XA parce que c'est une vraie merde. C'est devenu une vraie merde sur les walls. Je trouve qu'elle se rattrape de moins en moins, elle tient de moins en moins, elle a de moins en moins de patates. Ouais non, sincèrement. Ta grand-mère! Tous tes ancêtres là, XA, tous tes ancêtres. Un par un là. Je les prends 1v1, 1v1 plage, un par un, c'est bon? Mais c'est juste pour ça, enfin clairement en soi c'est même pas. Certes c'est la création qui est dure mais c'est la voiture là qui me fait rager. La voiture vraiment quand je te dis que tu fais la même chose deux fois d'affilée la première fois va réagir d'une manière et la deuxième fois va réagir d'une autre manière. Alors que tu fais exactement la même chose. Et juste ça casse la tête. Parce que du coup en fait tu peux te fier à aucun véhicule et à aucune manœuvre que tu fais sur ce jeu de merde. Et clairement, ça me saoule. Clairement, ça me saoule. Passer 25 minutes sur un point tout pété alors que tout à l'heure j'étais à deux doigts de le passer, vraiment, ça me fout les nerfs. Parce qu'encore une fois, la XA, c'est de la merde. Parce qu'ils se font des mises à jour sans prévenir personne. Et que c'est de la D. Clairement, c'est de la D. Enfin bref. Tu vois, elle tient même pas. Elle tient pas. T'as vu, même le pneu boost il fonctionnait quasiment pas. Tu vois, elle monte pas. Elle monte pas la caisse. Là j'étais quasiment à fond sur le joystick. Hein. Et pourtant elle en avait de la vitesse là. Hein. J'ai fait exprès de faire un tour de plus dans le. Dans le tube pour qu'elle ait de la vitesse, elle a pas tourné. En plus, du coup, je me sens comme une merde, ça me donne juste pas envie de les faire, c'est lever la zienne alors que je dis que je les ferai. Vraiment. Une demi-heure. Une putain de demi-heure sur ce même point de merde.
Regarde. Putain, c'est. Ouais, mais même, ça me gave. À quel moment, tu m'expliques là, à quel moment elle est pas censée reprendre le wall sans tomber? À quel moment elle dérape en fait? Le wall, je le passe à la Dark Prince, frère. Lui, Dark Prince, qu'il soit sur console ou sur PC, ça passe. Moi, la voiture, elle veut pas. Mais c'est ça me gave. Clairement, ça me gave. Qu'est-ce que tu veux avoir un bon jeu avec des bagnoles comme ça? Encore une fois? Regarde, les éléments, ils sont. Pour le coup, les éléments, ils sont super bien placés. Encore une fois, la voiture, elle va taper un truc invisible. C'est juste de la merde, cette caisse. Elle a une putain de hitbox de merde. Elle a été codée avec le cul. Et si clairement j'ai envie de les finir parce que ça me ferait chier, tu vois. Enfin, ça, clairement, si je finis les levels de Bonari, c'est que je suis pas dégueu en Asian, tu vois. Et ça veut dire que je me vaux comparé à Bonari, tu vois. Et que en fait, je le dis à personne parce que c'est un truc qui fait très lèche-boule et tout. Mais moi, franchement, sincèrement, si dans GTA je pouvais rentrer dans le crew de Dark Prince qui font full Asian, etc., etc. Franchement, ça m'intéresserait de fou. Ça m'intéresserait de fou. Mais avant de rentrer dedans, j'ai pas envie de rentrer dedans et de pas savoir en faire, tu vois. J'ai envie que si un jour l'opportunité se présente pour moi, qui voit quelques rediffs de live ou qui voit genre même en course, tu vois ce que je vaux, qui me lance un truc, qui me dit bah tiens et tout, montre-nous ce que tu vaux, tu vois ce que je veux dire. Sauf que pour ça, si déjà j'arrive pas à finir des levels qui sont dit easy, bah ça sert à rien, j'y vais même pas y penser, tu vois. Ça fait des mois et des mois hein, que j'ai envie d'entrer dans le crew de Dark Prince. Hein. Dans les TBC, je crois, ou je sais plus quoi. Voilà, et là je sors trop tôt. Là je sors trop tôt. Bah, j'ai bien l'impression. Hein. Ah, ça me. Là, clairement, la course est en train de me sortir par les yeux, j'en ai marre. J'imagine que là, j'avais fini quand même le level 2. Hein. Quasiment. Enfin, j'étais sur le dernier point du level Asian hashtag 2 de Bonne. Donc c'est juste en train de me prendre la tête, juste en train de me chauffer. Ça me gave fortement.
Là encore une fois, la voiture, elle a tapé alors qu'elle était censée passer. Ah, vas-y! Vas-y, frère, je vais insulter des gens! Putain, ça commence à bouillir là! À deux doigts, je vais rage quitte le live, je vais tout rage quitte en fait. Je vais plus toucher à ma console, c'est bon, ça commence à me casser les couilles ce jeu de merde là. Putain! Maiden, je vais t'éclater toi aussi, mon chien, je te jure, la vie de ma mère, tu vas me laisser m'énerver. Hein. Putain! J'ai passé, mon compte chien il bouge et forcément bah je passe plus. Hein? Merde, j'ai vu. Ça me chauffe. J'ai juste la preuve que la XA c'est de la merde. Je vais vous montrer. Normalement, si vous faites 10 ou 15 secondes en arrière, vous voyez qu'elle s'enfonce dans le poteau. Plutôt que ce soit avec la carrosserie qui tape, c'est. Enfin, il n'y a pas la carrosserie qui tape, ma bagnole. Vous voyez que. Il y a l'avant du capot de la bagnole qui s'enfonce. Et que ça vient taper après le capot. Vraiment pas agréable. Là aussi je suis censé passer parce que je suis pile poil entre les deux lignes, mais c'est pas grave, la bagnole étape. Allez comprendre ce jeu. Oh, je vais la niquer, je vais la baiser cette chienne. Putain, rends fou ce jeu de merde, cette caisse de merde.
Putain, je sais pas qui a créé un jeu comme ça, mais la vie de ma mère, je vais lui baffer tous ses ancêtres. J'ai envie d'essayer comme ça, tiens. Ok. Je vais réessayer parce que. Que c'est de la merde. Juste à chier, elle a vu la peau. Descends, chouchou, abuse pas. Deux doigts de faire le feu, celui-là. Je sais pas qui c'est qui a créé ça, mais on va y aller. Hein. Merci pour les 6 likes, les gars. Alors.
Oh, c'est le parcours de merde, je crois. Là, je crois que sur celui-là, il n'y a aucun wall qui est doublé, je crois, un truc comme ça. Ouais, tu sens que ça a été posé comme de la merde, hein. Allez, créateur en charton, ça aussi. Trop bien créé. Trop bien créé, le gars, vraiment. Ah ouais, trop bien créé, hein.
D'accord. Ah bon. Je suis une merde. Il les a super mal placés, ces éléments. Créateur en carton. Oh là là, maîtrise du véhicule. Ok, baisse ta mère.
Ou pas. Pardon, j'ai pas compris là, Yo, attendez les gars, j'arrive dans le chat, parce que j'ai juste passé ce point de merde.
Coucou Louane, comment vas-tu? Bah écoute, ouais, ça va tranquille. Putain, fuck. Ben, va manger. Putain, fuck. Pourquoi tu peux pas? C'est quoi ce parcours Ah. Ok. Écoute, mange pas. Ta grand-mère. Bah de rien, écoute. Oh. Putain, ce parcours de brin, il me rend fou. Hein. Ouais, l'obstacle d'avant, ouais, mais il était facile. Par contre, celui-là, le problème c'est que c'est pas doublé dans le jeu, enfin dans le jeu. Allez, on finit en moins de 20 minutes. Ok. Ah oui, je sais pourquoi je l'ai jamais fini, ce putain de parcours de merde. Peut-être parce qu'il y a un équilibre de pute. Putain. Créateur en carton, mon ref. Même avec mes pieds, je crée mieux que toi. C'est même limite insultant de comparer mes pieds à tes créations.
équipe de pute. Ah, le bâtard. Ouais, je m'en fous, le parcours je l'ai fini. Il n'y aura pas mon nom dessus. C'est pas grave, c'est de la merde, mon pote. Salut Louane, merci d'être passé. Bonne soirée à toi et quand tu pourras manger, mange bien. Les gars, moi je vous laisse là. Je vais aller me préparer parce que j'ai une petite soirée ce soir. Que dis-je, une grosse soirée ce soir. Pas loin de chez moi. Je vais en boîte. Je vais voir Oh Boy en showcase. Et puis voilà.
Du coup, ça me laisse le temps de me préparer, d'aller me doucher, de me pomponner un peu, de finir de me soigner, de prendre les médicaments que je dois prendre. Et voilà. Sur ce, les gars, moi je vous dis une bonne soirée. Oh, je vous souhaite un bon appétit, un bon début de week-end et on se retrouve demain après-midi. Ou demain soir en fonction de mon état de fatigue. De toute manière, je mettrai pour ceux qui sont sur Discord des messages dans le Discord et ceux qui sont dans mes amis, je vous enverrai un message. Voilà, restez à l'affût les gars, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, puisqu'on se revoit pas avant plus très longtemps en fait. Ta mère avec ta MK de fils de pute. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit les gars, c'était Alexandre. On a réussi quand même un level asian, enfin deux level asian parce que l'autre il était fini, mais vas-y, comme ça, un obstacle de merde, impossible de terminer. On a fini le level 2 de Bonari en moins de 15, en 40 minutes. Donc, c'est cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Alexandre. Bye.